les amène. Bon, il y a eu 27 secondes, pas fort. Bon, mais vous pratiquez encore. Salut, grand-père. Qu'est-ce que tu faisais, mon beau Marcel? Oh, rien, rien. Quand tu étais dans son prime, ton grand-père, lui, il détachait une brassière en 3,6 secondes. 3,6 secondes? Y'a, il était là. Ah, j'ai pas de mérite. J'ai déshabillé mes premières femmes dans le temps des corsets à baleine pis des robes avec 92 boutons. Cette femme, un homme, à quelle venait ça? Mais il faut dire, grand-père, là, que je suis un peu nerveux. Demain soir, il y a une fille à mon école là, qui m'a invité chez eux, puis ses parents sont partis pour la fin de semaine. Ça fait que ça se peut que... T'sais? Ben oui, mais t'as déjà fait ça, Marcel? Hein? T'as déjà consommé la bagatelle? Ben, non. T'es encore vierge, Marcel Laflaque! Quelle funesse! Moi, à ton âge, j'avais déjà 6 enfants. Oui, je suis assez nerveux, là. J'ai peur de Pinky pis de pas être à la hauteur. Dis-moi, t'as pas de problème côté... Côté Charnigouane? Mais comment, grand-père, j'ai 17 ans. Ça fait juste ça, me tenter. Un arbre m'excite. Une roche un peu trop ronde m'excite. L'autre jour, j'ai vu une bonne fontaine, puis je trouvais qu'elle avait une petite ragasse. Parfait. Il faut juste que tu aies confiance, à cette heure. Puis je connais juste une manière de te donner confiance. Ah oui, c'est quoi? Sais, faire l'amour, c'est comme jouer au hockey. Avant de jouer dans les séries, il faut que t'apprennes à patiner. Ça te prend un peu de pratique. Veux-tu que je m'occupe de ça? Oh shit, vous êtes pas un vieux pédophile, grand-père. Hey, Bob! Mais non, mon Marcel, ton grand-père, là, il va t'amener... il va t'amener voir une fille de joie. Ah, OK. Attends. C'est quoi, une fille de joie? Excusez, mademoiselle, j'aimerais savoir combien que... Oh, pardon. J'aimerais savoir c'est combien loin d'ici, la grande bibliothèque. Tu continues par là, troisième rue à droite. OK, merci. Merci, madame. Bonne fin de soirée. Vous avez des belles bottes. J'allais aller voir à une partie de pêche. C'est ça, oui. Veux-tu fournir le verre de terre? Hey, ta face me dit quelque chose. C'est quoi ton petit nom? Sonia. Quelle venue que tu ressembles à Juliette. Une créature dépareillée que j'ai connue là, deux coins de rue plus loin en 1975. Hey, c'était ma mère. Ah ben, c'est bon ça. Comment ça va? Ah, ben, elle s'est mariée avec un policier. Elle vit en Floride avec. Ah, c'est beau de voir ça. Écoute, ma belle Sonia, j'ai mon petit-fils là-bas. Il est plus chaud, pauvre petit homme, hein? Puis, combien il s'est rangé pour une heure? 130. Et corvé, ça a monté. Puis, si j'ai ma carte de l'argent, j'ai du 15%. Non. Plus moto? Non plus. Prenez-vous un kilomètre? Ça, oui, par exemple. Ah, ben, c'est au moins ça. Marcel? Marcel Laflaque! Arrive ici! Pas si fort, bien, papa. Marcel, je te présente Sonia. Allô, Marcel. Allô. Il est sous ici. Pépère, je peux pas, là. Je veux plus y aller. Marcel, c'est pas de ton goût. T'as juste à y mettre l'oreiller d'en face. Ou bien, tu fermes les yeux. J'ai fait ça 52 ans avec ta grand-mère. On ne sait plus, là. Mais la chienne. J'ai payé 130$ pis c'est pas remboursable. Ça fait que dégoutine. Fais-moi pas autre, là. Viens, ça va bien aller, Marcel. Mais pourriez-vous me geler avant? Bon,